Comment créer un filtre pour les emails dont vous êtes en copie? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de productivité. Et si vous voulez gagner du temps sans en perdre et retenir sans apprendre, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore un fan learner, songez à vous abonner, le bouton est juste ici. Et surtout, activez la cloche, ça c'est pour ne louper aucune vidéo. Je vous propose tout d'abord de définir ce que c'est qu'un filtre dans Gmail. Un filtre permet d'exécuter des actions automatiques proposées par Gmail à partir de critères de recherche. Donc au niveau des critères de recherche, on va déjà sélectionner ici le moteur de recherche avancé en cliquant sur cette petite flèche et vous découvrez les critères qui vous permettent de faire une recherche avancée. Une fois que vous avez tapé un ou plusieurs critères, par exemple je vais taper ici contenant le mot galette, j'ai la possibilité soit d'effectuer la recherche, soit de créer un filtre. Ce qui m'amène aux différentes options automatiques que je vais pouvoir réaliser sur la base de cette recherche. Par exemple, vous avez la possibilité d'archiver automatiquement les messages qui correspondent à cette recherche, de les marquer comme lus, d'appliquer un libellé particulier ou encore de supprimer automatiquement. Une option un peu différente des autres, c'est cette dernière option qui permet d'appliquer également ce filtre à l'historique de votre messagerie qui correspondrait éventuellement à votre recherche. Et ensuite, vous avez simplement à cliquer sur « Créer un filtre » pour le valider. Et donc, on va vouloir rechercher ici les messages dont je suis en copie. Nous avons bien ici le champ de l'expéditeur, le champ du destinataire, mais malheureusement, vous ne voyez pas le champ « Copie ». Pour ça, on va être obligé d'utiliser un opérateur de recherche. Pour trouver les différents opérateurs de recherche, je vous propose d'aller dans l'aide de Gmail en cliquant ici sur le point d'interrogation, puis « Aide ». On va simplement taper le mot-clé « Opérateur ». Je vais cliquer sur la suggestion d'opérateur de recherche compatible avec Gmail, c'est exactement ce que je recherche. Et tout en bas avec l'ascenseur, je vais afficher cet article dans une nouvelle fenêtre pour le voir en grand. Vous avez donc ici tous les opérateurs de recherche que vous pouvez utiliser dans Gmail et qui vont vous faire gagner un temps précieux. Par exemple, pour rechercher un expéditeur, il suffit de taper « from » deux points, puis le nom de votre expéditeur ou son email directement. Pour le destinataire, il faudra taper « tout » deux points. Et vous voyez ce qui nous intéresse juste en dessous, spécifier un destinataire ayant reçu une copie. L'opérateur, c'est « cc » deux points. On va donc pouvoir revenir sur notre messagerie Gmail. Et ici, dans la recherche avancée, je vais donc taper « contient les mots »,« cc », deux points, et je vais spécifier mon adresse mail. Comme c'est ma propre adresse, vous pouvez également taper l'opérateur « mi ». Donc « cc », deux points, « mi » veut simplement dire tous les mails dont je suis en copie. À partir de là, je vais pouvoir créer un filtre, et je peux par exemple décider d'appliquer un libellé. Je le sélectionne dans la liste. S'il n'existe pas, vous pouvez en créer un nouveau en cliquant juste ici. Je vais par exemple indiquer « copie » pour l'exemple. Je clique sur « créer ». Donc là, je viens de créer le libellé « copie ». Je vais appliquer également ce filtre à deux conversations qui existent déjà dans ma messagerie et dont je suis en copie. Et il ne me reste plus qu'à cliquer sur « créer un filtre ». Désormais, dans ma boîte de réception, tous les emails dont je suis en copie auront le libellé automatiquement « copie ». Je peux également les retrouver ici dans le volet de gauche en cliquant sur le libellé « copie ». J'ai donc bien deux emails dont je suis en copie. Vérifions, le mail de Maëlyn a été envoyé par Maëlyn à Gabriel et je suis bien ici en copie. Pour modifier ou supprimer un filtre, il vous suffit d'aller sur la roue crantée de Gmail, puis d'afficher tous les paramètres. On se dirige sur l'onglet « Filtre et adresse bloquée » et vous retrouvez ici tous vos filtres, notamment celui que nous venons de créer juste ici. Vous pouvez alors le modifier ou le supprimer. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment créer un filtre, la définition du filtre, et on a fait un exemple pour mettre un filtre automatique sur les emails dont je suis en copie en utilisant un opérateur de recherche « cc » deux points. Merci de votre attention.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye bye!